1992, sommet de la Terre, Rio de Janeiro. Les représentants d'un grand nombre de pays discutent des problèmes liés à l'environnement et au développement. Des problèmes comme la déforestation, la promotion d'une agriculture durable, la sauvegarde de la biodiversité, la protection de l'atmosphère et la conservation des ressources naturelles tout en combattant la pauvreté. 108 gouvernements ont adopté les résolutions significatives dont l'Inde. One thing that's quite specific to India is the fact that it is the world's largest democracy, which brings a very different flavor to how things operate as opposed to maybe more authoritarian regimes. India, over the course of the last 20 years, has been making big strides as regards decentralization, effectively harnessing through village-level institutions the people's voice. Par exemple, en Himalaya, dans l'état nordique de l'Uttaranchal, les Himalayas, foyer de communautés rurales, montagnardes robustes et foyer de certaines des forêts caduques tempérées, les pinks les plus riches, des forêts où l'abattage commercial à large échelle était galopant. Mais les choses changèrent en 1973. Cela se passa vers Gopershwar. Les villageois, principalement les femmes, protestèrent quand cette forêt devint cible des abatteurs d'arbres. Cela déclencha un mouvement massif qui fut connu sous le nom de Chipko. Saraswati Devi a participé activement à la protestation. Elle avait 17 ans à l'époque. हमने जब सुने कि यहाँ पेड़ कट रहे तो हम पूरी मेला में हमने आवाज मारा और हम नारा लगाते गए चिपको आंदोलन जिंदाबाद चिपको आंदोलन जिंदाबाद ऐसा करके गए हम तो हमने कहा कि ये पेड़ है हम पेड़ पर चिपक गए हैं और तुम पेड़ को काटेंगे तो हमको काटो हमारी पीठ को काटो पर हम पेड़ को छोड़ेंगे नहीं Dans la décennie suivante, Chipko s'est rapidement étendu à d'autres endroits du nord de l'Himalaya à travers une douzaine d'incidents séparés. Les villageois ont stoppé avec succès les opérations d'abattre les arbres. Le gouvernement a répondu de façon positive. Ils imposa une interdiction de 15 années de l'abattage commercial des arbres verts au-delà de 1000 mètres. Puis en 1996, la Cour suprême indienne interdit le département des forêts de récolter le bois dans la plupart des forêts du pays. Mais l'abattage commercial d'arbres n'est pas l'unique cause de dégradation environnementale. Une confrontation entre gardes forestières et le coupeur de bois. Les incidents étaient courants dans les forêts protégées autour du village de Padevadou, dans l'est du Tamil Nadu. L'abattage illégal des arbres par les pauvres n'était pas le seul problème. Les villageois amenaient aussi leurs troupeaux pour brouter dans la forêt. De dégradation supplémentaire. Les gardes trouvaient impossible de protéger la forêt. Peu à peu, les zones boisées déclinaient. Les collines commençaient à se dénuler. Mais il y a quelques années, les choses commencèrent à changer. Un nouveau programme du gouvernement appelé Jeunes communes de la forêt a aidé les villageois à établir leur propre communauté de forêt. Cette nouvelle organisation reçut des financements du gouvernement d'État. L'armée d'une organisation et de leurs propres ressources, les villageois ont planté de nouvelles geôles et ont construit des petites structures de collecte d'eau. Tous les outils techniques utilisés ont été fournis par le département des forêts. Sir, quand la hard marde vide gourdan sonna ga, alors hier qu'a voté mon pilli là, marde mais là, alors quoi, n'ara voté non là, abri solte. ஓட்டின்னு போனோம் மலைக்கு மலைக்கு ஓட்டுமேட்டு அவன் மேஷின் இருந்தேன் வந்து உனக்கு ஒரு தலைவர் வந்து பிடிச்சிட்டு வந்து ஊரில் அபராதம் பண்ணிட்டாங்க Les mêmes villageois qui autrefois détruisaient la forêt, aujourd'hui la protègent. Ce changement a été rendu possible par la gestion commune de la forêt. Elle permet aux villageois de collecter librement tout produit sauf le bois. Et maintenant qu'ils sont engagés, ils s'intéressent à sa protection. Ils sont devenus alors partenaires du département de la forêt. Indian Forest Service started in 1890
64. So it has a strong capacity, strong tradition, and a very strong ethos, let's say, for over 100 years, 140 years, that started out protecting with the ideal of protecting forests, not thinking in terms of, let's say, forests as a livelihood for people. That idea, of course, has been evolving for a long time, but the acceleration of that new thinking has really picked up pace in the last 10 or 15 years, particularly since about 1990 with the joint forest management movement. And I think at the moment, it probably, as a concept, is probably evolving faster than ever. It's interesting, FAO did a study that just came out in book form called In Search of Excellence on Forest Management in Asia and the Pacific, both developed and developing countries. And they were looking at 174 different cases that different countries or different individuals suggested, and 40 of those cases were in India. They eventually got that down to 28 cases that came out in book form, and of the 28, three are in India. La participation de la communauté peut prendre de nombreuses formes. Dans les collines de Garo, au nord-est de l'Inde, existe un cas intéressant. Plus de 60 de cette zone écologique riche est couverte par les forêts denses. Mais il existe des inquiétudes. Les villageois participent traditionnellement le Jum, ou agriculture pour brûlis. Ils brûlent les portions de forêt de façon périodique. Ils cultivent des terres pendant quelques années, jusqu'à ce qu'elles perdent leur fertilité. Puis les villageois bougent vers d'autres parties de la forêt et commencent alors une nouvelle opération d'abattre les arbres. Aujourd'hui, avec l'augmentation rapide de la population, la déforestation est devenue un problème significatif. Mais comment les paysans peuvent-ils être empêchés de pratiquer les djums? C'est exactement ce que le gouvernement essaie de chercher. Un nouveau programme a aidé les villageois avec leur propre groupe de microcrédits. Les membres peuvent maintenant prendre des crédits et commencer des petites entreprises. Des entreprises comme la culture des légumes, l'élevage ou ouvrir une petite épicerie. Les groupes villageois ont aussi commencé à implanter leurs propres projets d'infrastructures comme les routes, les égouts, les ponts et les chaussées. Les initiatives ont fait augmenter les revenus du village. Ils sont désormais plus susceptibles de répondre aux suggestions sur la demande de réduire leur dépendance envers le djum. Ya abriko chinga rejap khana mukshunga aru ye gamakan rejap ungano naki mya aba chaga ba khode jeba bagan bari dakchina shuni nukni mandirang bagan bari dakchina gata chinga ya ko onwan gaman dunga naki mung aba sanari mukhang chi chinga onjawani yako asuni mandi chinga gamakan khumongi yako dona ha. Nord-est à l'ouest lointain, voici le désert Mohangar exactement. Mohangar abrite aussi le 4e général d'un des groupes de travail écologiste de l'armée indienne territoriale. Sa mission établissait le dur du sable et faire reverdir la large partie du désert. L'armée indienne territoriale est composée seulement de soldats à la retraite qui ont été réemployés. En 6 ans seulement, ils ont planté presque 2 millions de gaules. De larges plans de terre n'y sont déjà découvertes par les forêts demi-nature. Le groupe de travail écologiste de l'armée indienne est actif dans le pays dans 5 domaines. Elle a planté plus de 31 millions d'arbres et 74 000 hectares environ ont été couverts de forêts. Voici par exemple l'un des bataillons
venant des bases d'Himalaya à côté de Derandou. Le minage illégal était autrefois très répandu dans cette zone. Il a été interdit grâce à la pression publique. Aujourd'hui, les pentes sont vertes grâce au travail de l'armée. La vallée silencieuse au sud du Lind, un trésor de biodiversité. On y trouve plus de 1000 espèces de plantes florissantes, de 111 espèces d'oiseaux, 128 de papillons, il y a 107 variétés d'orchidées, 325 de papillons, ainsi qu'un nombre significatif d'arbres endémiques à la vallée. Il existe une très précieuse vie sauvage. Par exemple, il existe dans le monde que 4 espèces d'écureuils géants. Ici, on y trouve l'écureuil géant à Mahabar, qui peut aller jusqu'à 1 mètre de long. La vallée silencieuse fait maintenant partie des 5340 km² de la réserve de biosphère de la Nilgiri. Les restrictions sont ici strictes. Et les permissions pour y entrer difficiles à obtenir. Biosphere reserves are significant gene pools of terrestrial and coastal ecosystems, which are internationally recognized within the framework of UNESCO's Man in the Biosphere program, and collectively constitute a world network comprising of about 459 biosphere reserves in 97 countries. Biosphere reserves are designed to meet one of the most challenging issues that the world is facing in the 21st century. That is, how can we conserve the diversity of plants, animals and microorganisms which make up our living biosphere? La protection marche, mais cela ne peut se faire qu'au prix des habitants de certaines personnes. Prenons l'exemple du golfe de Manan, au bout du sud de l'Inde, riche en diversité marine et en ressources bio. C'est un ensemble de plus de 3600 espèces de flore et faune. On y trouve pas moins de 128 variétés de riches coraux. Toutefois, il n'y a pas si longtemps que cet écosystème incomparable était menacé. Le minage commercial à grande échelle et le chalutage sur le fond dégradaient le relief de coraux. Plus maintenant, aujourd'hui, le golfe de Manar est une réserve de biosphère. Le cœur de cette zone qui est constitué de 21 îles et maintenant protégé. Personne n'est admis à moins de 10 mètres des îles. Cela a affecté la vie d'un bon nombre de pauvres qui dépensaient les ressources marines pour leurs revenus. C'est pourquoi la réserve a initié un programme qui explore d'autres options possibles. Mis en œuvre par la Fondation de recherche MS Swaminathan et soutenu par PNUD, ce projet a aidé la communauté à accueillir de nouvelles compétences et à gérer leur propre culture. Une usine de marinage de poissons, une usine produisant de l'agar, les leçons de ce projet pilote seront utiles pour étendre le programme à d'autres zones. Une autre initiative vise les pêcheurs, le centre de la Fondation des ressources du village. On peut trouver les informations satellitaires sur les zones poissonneuses potentiel dans le golfe. Cette information est relayée aux pêcheurs. Cela les aide à augmenter leur prise. Un autre projet impliqué d'introduction dans l'eau des races artificielles spécialement connues. Comment réagir la vie marine à ces structures faites de main d'homme? Les indications et les amateurs indiquent que les résultats sont positifs. India has been active in promoting the biosphere reserve concept in the country. With a variety of situations within the country, recognition has been given to 13 biosphere reserves. Almost an equal number of biosphere reserves are under active consideration of the government of India. It is indicative of the importance attached to this approach towards biodiversity conservation and management. Protéger l'environnement et nourrir l'écosystème. C'est le cas au parc national de Rajaji, situé dans les collines du Malayan.
Ce parc de 820 km est l'habitat d'espèces en voie d'extinction comme l'éléphant et le tigre. Il n'y a pas si longtemps, des communautés traditionnelles pastorales vivaient dans ces petits hameaux en plein milieu du parc, le Van Gujar. Leur bétail estimé à plus de 10 000 têtes pâturait partout, laissant peu pour les animaux dépendants de l'herbe, menaçant leur vie à celle des carnivores dont ils sont le proie. Aujourd'hui, la situation a changé. Les Van Gujar ont été convaincus de reloger en dehors du parc. On leur a donné des terres agricoles fertiles pour qu'ils puissent subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Ils ont désormais accès à de l'eau potable et leurs enfants, qui autrefois gardaient le troupeau, vont maintenant à l'école la plus proche de leur lieu de vie. Le processus de relocation a commencé il y a 3 ans et déjà le pâturage dégradé se dégénère et il existe des signes montrant que la nature a répondu positivement à cette amélioration. Abhishek Arya et Amit John Kurian font doctorat à l'Institut indien de faune et flore. Ils ont placé les appareils photo dans tout le parc national de Rajiji. Ils ont maintenant un bon nombre de photographies de tigres et de lions et de léopards. Mais ces photos aux grains grossières, qui les a prises? Qu'est-ce qu'un ours noir du Malaya, animal de haute altitude, fait ici dans les collines? We've got this picture of the black bear, and it gives a good idea that food for the and this high altitude animal is found in this region now, and that it is actually coming down to this region to feed, and then I suppose it goes back as well. We're not saying that it's because of the Van Gujars leaving that there is enough food for the animals, but just that it is a possibility. C'est une possibilité qui ne pourra être confirmée que dans les années à venir. Et si cela est confirmé, ça sera la preuve que la politique indienne de protection de la nature a été efficace ici. Luvière et Bécasse. Goéland et Sterne, Héron et Aigrette, le lac Chilica comporte pas moins de 151 espèces d'oiseaux, dont les oiseaux migrent de longues distances et viennent parfois d'autres de loin que de Sibérie. Chilica, le plus grand lago de la côte ouest de l'Inde, est un autre écosystème très productif. Pourtant, jusqu'à peu, Chilica mourait, en partie à cause de 52 rivières qui se reversaient dans le lac. Résultat, il s'asphyxiait. Peu à peu, le lac diminuait et il y a des taux de salinité dans l'arme. En 1993, Chilica connut pour distinction douteuse d'une entrée dans la liste Montreux. L'autorité centrale du développement de Chilica a mené une analyse détaillée de la situation. Une intervention majeure a été ouverte, une ouverture artificielle est effectuée. Cela a amélioré la reliance du lac à la mer. Les communautés locales ont aussi amélioré leur propre dispositif de collecte d'eau. Ils ont aussi placé beaucoup de vases qui étaient pénétrés au lac. Peu à peu, le lac s'est revitalisé. Les 30 stations de contrôle installées par les autorités de développement de Chilica ont montré des niveaux plus sains de salinité, de nutriments et d'oxygène dessous. The initiative vis-à-vis opening of the another mouth and dredging of the channel has resulted in the maintenance of the salinity in this particular lagoon, which was very important, and based on that, as we understand, the results are quite positive. The fish production has gone high, and other species are also doing well, and what we understand is that the bird population is also has increased
Aujourd'hui, les pêcheurs ont redevenu plus élevés parce qu'il n'y a plus de poissons dans le lac. Et ce qui est vraiment significatif, c'est le nombre de dauphins irrawaddy qui ne cesse d'augmenter ici. En 2002, le wagon a été retiré de la liste de Montreux et l'autorité centrale du développement de Chili a reçu le prix Ramsès. Des écosystèmes fragiles aux monuments fragiles. En Inde du Nord, dans la ville d'Agra, se trouve le Taj Mahal, un mélange de styles persians des artisans indiens. Au début des années 80 pourtant, ce monument inscrit au patrimoine mondial de l'humanité était menacé. Le marbre blanc à l'intérieur devenait un certain endroit noir. En 1984, M. Mehta, un avocat, déposa une plainte devant la Cour suprême. Son argument, la pollution industrielle était responsable de la dégradation du Taj Mahal. The Taj Mahal was under serious threat because of the Mathura refinery, chemical industries, foundries, brick kilns, and so many other industries located over there. La Cour suprême statua en sa faveur. Environ 225 industries utilisant le charbon ont dû fermer. Cette usine d'énergie thermique, située en plein cœur de la ville, a été entièrement démontée et remontée. Plus de 450 fabricants de briques ont dû fermer et déménager. Et des unités industrielles majeures, comme cette raffinerie industrielle, ont mis en place des protocoles de contrôle de pollution, bien qu'ils soient à plus de 50 km de monument. La pollution atmosphérique a spectaculairement reculé. La menace sur Taj n'est plus. The Supreme Court has in fact undertaken not only to save the Taj, which is the one of the wonders of the world, and also the people of that area, and also set an example that look, this is what the people can do, and this is what the people can expect from the courts of the country, and also this can be done by the government if you really want that the government should do it. An area in which India has been particularly active has been in the role of the judiciary, of the courts, both in terms of Supreme Court as well as with the state level high courts, and even below that at different levels. The judiciary, the courts, have often forced the pace on environmental issues. And in fact, some people have even criticized them as being environmental activists. Comment les entreprises s'adaptent-elles à ce nouveau scénario? Située à Gajrola, en Inde du Nord, voici une colosse. Cette distillerie, la plus grande d'Asie, produit environ 25 litres d'alcool industriel quotidien. Jubilant Organosis, le nom de l'industrie, déverse aussi 3 millions de litres de déchets chaque jour. Voici cette usine de traitement de déchets. Elle marche sans interruption pour garantir que la finale des charges soit conforme aux objectifs stipulés dans le pénal de code de pollution. Mais où vont donc tous ces déchets? Jubilant savait que ces rejets de nature organique possédaient des nutriments fertilisants et ils pouvaient être utilisés par le paysan. Aujourd'hui, les déchets traités sont stockés dans 28 lagos, 1 km autour de l'usine. De là, ils sont distribués à plus de 1600 paysans et 12 villages. La productivité de la terre s'est améliorée et le besoin en fertilisateurs chimiques a baissé. Jubilant Organosis est énorme. Elle a les ressources pour gérer la pollution. Mais cela est-il possible pour les petites et les micro-entreprises? Voici des petites entreprises de textiles de Malhotra au nord-ouest de Rajasthan.
il en existe plus de 1000. Elles fournissent de l'emploi à plus de 70 000 hommes et femmes. Elles produisent aussi beaucoup de déchets. Les entrepreneurs de Malotra peuvent difficilement assumer des usines de traitement des déchets efficaces. Comment font-ils face à l'organe de régulation? Pollution Control Board इन दिनों में बहुत strict हो गया है और वो चाहता है कि आपका जो निस्तारित पानी इकाई से निकले हमारे मापदंडों के अनुरूप ही निकले इस बात को लेकर के इकाइयों के अंदर बहुत हड़कंप मचा हुआ है और कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट की योजना के लिए वो बहुत ही प्रगतिशील है और काम जुट एकजुट होकर के कर रहे हैं Voici l'usine commune de traitement des déchets Balostra. L'entrepreneur ensemble ont financé 50% des coûts. L'équilibre a été offert par le gouvernement selon le plan spécial. Un plan qui a aidé à réduire la pollution et de sauver des milliers d'emplois précieux. Pendant ce temps, la croissance ultra rapide de l'Inde se poursuit. Et avec la croissance de l'urbanisation est inévitable, mais aussi les automobiles. Et donc la pollution, certaines des plus grandes villes indiennes sont parmi les villes les plus polluées du monde. Encore une fois, les autorités de régulation se sont engagées et ont pris des mesures concrètes. Par exemple, les sociétés de pétrole ont été forcées à fournir du pétrole sans plomb. Chaque propriétaire doit aussi soumettre son véhicule à des contrôles et avoir un certificat prouvant les émissions sont inférieures aux limites prescrites. De plus, toutes les nouvelles voitures vendues dans 11 des plus grandes villes doivent aussi conformer aux normes d'émission Euro 2 et bientôt aux normes Euro 3. Mais le point central réside dans l'efficacité du transport public. Ils utilisent moins d'essence par personne et donc polluent moins. Voici par exemple le système de transit de masse rapide de Delhi, déjà effectif dans certaines parties de la ville. Il aide à décongestionner les artères bouchées de la capitale et réduisent le taux de pollution. Les autorités à Delhi ont franchi une autre étape en répondant à une autre véridique de la Cour suprême. Elles ont forcé les taxis hautement polluants et les bus adoptant du gaz naturel compressé ou GNC. Le GNC pollue bien moins que le diesel. Tous ces changements ont eu un grand impact sur la pollution atmosphérique de Delhi. Entre 2001 et 2002, le niveau de dioxyde de sulfure aux intersections critiques ont chuté de 36%, tandis que ceux de monoxyde de carbone ont chuté de 22%. En décembre 2004, l'édition asiatique du Temps a publié un article sur la pollution dans les villes asiatiques. Le magazine note Delhi a montré des interventions fortes du gouvernement, soutenues par les activismes environnementaux, peuvent faire la différence. Protéger l'atmosphère, empêcher la déforestation, nourrir la biodiversité, ce sont les problèmes que le monde développé n'avait pas à gérer dans toute leur route vers la prospérité. Mais les temps ont changé. L'Inde doit être encore plus sensible envers l'écosystème quand elle maintient sa trajectoire de haute croissance. Néanmoins, l'Inde apprend qu'en prenant les bonnes décisions politiques, l'augmentation de revenus et la protection de l'environnement peuvent coexister et que les gens, même ceux des zones éloignées, peuvent devenir des participants actifs de ce processus.